tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve. Coucou les loulous. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui. Et on espère, les petits copains, que ça va bien. Alors, dites-moi, aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais sur une recette. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Corentin et Océane? Des muffins au chamallow. Oh, des muffins au chamallow. Alors, Corentin, pour cette recette qui est pour combien de muffins? 6. Pour 6 muffins, il nous faudra donc 12 chamallows. 12 chamallows qu'on a coupés en 4. Ce sont des chamallows de taille normale, de chez Haribo. Oui. Voilà. Donc il en faut 12. Ensuite, la farine, il en faut combien? 125 grammes. Du lait. Du lait, donc 90 millilitres de lait. Ensuite, du à côté, sucre. C'est quoi? Du sucre. 50 grammes de sucre. Un jaune d'œuf. Un œuf entier. Et... il y a le blanc et le jaune. Ensuite, à côté, c'est quoi? De l'huile de tournesol. Donc 40 ml d'huile de tournesol. Ensuite, là, c'est un demi-sachet de levure. Et là, il nous faudra quoi? Une pincée de sel. Et surtout, ne pas oublier un sachet de sucre vanillé. Voilà comment cette recette. Ah, oui. On oubliait. Oui. Il nous faut quoi? Des moules. Ah oui. Des moules à muffins. Alors nous, on a pris des moules à muffins. Je vais vous montrer, les petits copains. Monsieur et madame. Bon, nous, c'est le monsieur et madame en silicone, mais qu'on a déjà beurré parce qu'ils sont un peu des formes, vous voyez. Ils ont des formes un peu compliquées. Donc, je les ai bien beurrés pour pas que ça s'accroche. Mais après, nous, on a des moules un peu originaux, mais des moules tout simples, ce sera le mieux. On avait déjà fait une vidéo dessus des bonbons. Oui, on avait déjà fait des bonbons en avec forme ça. De monsieur et madame avec ce moule. Donc, si vous voulez, on vous met en haut, petit, à droite. À droite, il est ici. On va vous afficher la recette des bonbons en monsieur et madame. Les petits amis, il faut savoir que pour faire la recette des muffins, il va falloir séparer les ingrédients en deux. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on va faire tout ce qui est mouillé. Donc, l'œuf, le lait et l'huile qu'on va mélanger dans un premier saladier et dans l'autre saladier, et bien tout ce qui est dit sec, donc tout le reste dans l'autre saladier. Donc on va commencer d'abord avec Océane qui va mettre d'abord l'œuf et elle va le battre. Allez, verse ton œuf dedans. Il est là. Tu l'as trouvé? C'est bon? C'est petit. Merci. Voilà. Voilà, maintenant tu le remues un peu. C'est bon. Tu remets un peu? Ouais, doucement. Doucement. Ouais, faites doucement les amis parce que sinon il va y en avoir plus sur le plan de travail que dans le saladier. Attends, je vais t'aider un petit peu. Hop, parce que Océane est un peu petite et là c'est un peu compliqué. Allez, remis. Et tiens, ça vient en même temps. Allez. Voilà, c'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? La farine. Non. Il n'y a pas de farine. Mets le lait ou l'huile, comme tu veux, et tu mélanges. Allez. Laisse le fouet dedans, va, louloute. Le lait. Bon, je vais te le tenir. Là-bas. Hop. Allez, oh. Verse le lait. Pff. Oh, bah, lui, on a mis dans le cou. Doucement. Voilà, et tu remues. Et ensuite... alors, maman elle remue et maintenant tu vas verser l'huile. Allez, verse l'huile. L'huile de tournesol. Voilà, donc l'huile de tournesol qu'on verse dedans tout doucement. Voilà. Tout doucement. Voilà. Et on remue. Allez, c'est bon, Océane. Tu peux finir de remuer. Et quand ce sera bien mélangé, voilà, quand ce sera bien mélangé, on va passer à Corentin. Ben voilà, je pense que c'est bon. Fais voir. Moi, je dirais qu'elle a battu des œufs en tout blanc, quoi. Voilà, donc ça donne bien, ça. Super. À Corentin maintenant. Oh, il y avait de la crème à la vanille. À Corentin, maintenant toi, tu vas faire le sec. Donc dedans, tu vas verser la farine, le sucre. Allez, vas-y. En premier, la farine. Tu verses tout. Tout comme je veux. Vas-y. Doucement par contre. Oui. Et tu remues bien après.
Voilà, donc la farine. Hop. Ensuite, qu'est-ce que tu mets? Le sucre. Le sucre. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous mettre dedans? Un peu de levure. Ouais, le demi-sachet de levure. Et on verse tout. Soyons fous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu nous mets? Le sel. Alors, juste une pincée de sel, les amis. Hein, pas tout pot de sel. Hein. Alors, tu prends un petit peu entre tes doigts, voilà. Et tu mets dedans. Un petit peu. C'est bon, voilà, que ça donne du goût. Ça suffit. C'est bon que ça donne un peu de goût. La levure agisse, en fait, le sel, si vous ne saviez pas. Et ensuite, tu mets le sucre vanillé. Le sucre vanillé. Et on mélange tout doucement. Tout se mélange. Avec un fouet. Avec un fouet. Mais ça, c'est le tien. Oui, bah, c'est celui de toute la famille, je pense. Et l'autre aussi. Et l'autre aussi, oui, j'en ai un noir aussi. J'en ai plein, les fouets, plein, plein, plein. Alors, on remue doucement. On va essayer de ne pas en mettre partout. Il n'y a que de la farine. Oui, bah, c'est parce qu'on ne voit pas les autres ingrédients, vous voyez, c'est tout blanc. C'est mélangé, tu crois? Non. Doucement, doucement, doucement. Une fois que c'est tout remué, eh ben, Océane va verser sa préparation. Allez. Donc, tu peux verser ta préparation. Hop là. Dans le saladier de Corentin. Et Corentin, après, il va remuer, tu vas mélanger. Mais les amis, s'il y a des grumeaux, c'est pas trop grave. Il faut qu'il y ait un peu de grumeaux dans la pâte à muffin. Donc on remue, on mélange, on essaye de bien incorporer. Allez, allez, allez. Allez, on dit allez Corentin. Bah c'est bon. Bah elle est toute belle ta pâte. Oui oui. C'est facile. C'est trop facile. C'est trop fastoche. Alors maintenant on va remplir les moules. Oui. Oui. C'est moi qui les remplis. Avec toi. Vous allez remplir avec moi, oui. Alors les amis, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la pâte où? Dans les poches. Non, dans les moules. Dans les moules. Donc on va mettre la pâte dans les moules. Donc on commence avec Corentin, tiens. Autre fois. Hop. Oui. Donc tu prends la cuillère et on met jusque... On va pas mettre jusqu'en haut. On va mettre vraiment jusqu'au 3 quarts. Donc on va s'arrêter un petit peu avant le bord. Allez, vas-y. Hop. Tu prends... Ça commence à lever un petit peu. Donc on essaye d'y aller proprement. Celui-là, c'est peut-être maman qui le fera parce que... Oui, moi je fais le tour. Tu fais le tour? Allez, vas-y. Hop, hop. Allez. Ah bah, mais tu l'as... si tu l'as tiens pas droite, c'est normal que ça s'en aille. Hein. Hop là, et là, en vide. Voilà, c'est ça. Papa. Allô, Océane, non, Océane. On a mis un peu partout. Hop là. On a mis partout. Hop là. Comme les cuisinières qui ratouchent mais rien. Par contre, elle en met partout. Ah oh, voilà. Ouais. On fait Océane. On fait avec toi. Allez, avec Océane. Hop là. Hop. Tu peux faire qui, Océane? On fait lequel? Tu peux faire lequel? Celui-là. Celui qui est tout rond? Oui. Pour le boulot. Nous, on aime bien les tout. Aussi jaune qu'un citron. Aussi rond qu'un ballon. C'est le Pac-Man. C'était ça la chanson? Je ne sais plus. C'est ça. C'est ça? Oui. Je pensais bien. Ah, Pac-Man. J'adore Pac-Man. Moi aussi. Il y a une jeu vidéo qui est sortie depuis longtemps. Alors voilà, donc revenons à la recette. Donc on remplit jusqu'au 3 quarts. Hop. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux. J'ai trop envie de manger comme ça cru. Voilà. On fait les autres. Corentin est déjà en train de goûter la pâte. Moi aussi. Et Océane aussi. Ok, bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il ne manque plus qu'à mettre... Les chamallows dedans. Vous voyez, ça a été bien... Ah, attendez, je vais vous montrer mieux. Ça a été bien rempli, bien. Donc maintenant, on va mettre les chamallows. Donc il faut mettre 8 petits morceaux. Par bonhomme. Donc, alors attends, Océane, hop. 1,
2, 3, 4, 5. Le triangle là avec le chapeau avant lui, 15. 8. Mmh. Bah, le triangle avec le bonhomme un peu bizarre là, c'est moi qui vais le faire. Comme ça au moins. Alors attends, toi t'en as 8. Et Corentin, il en a 8 parce que oui, comme on a dit qu'on les avait coupés en 4, et eh ben il en faut 2 dans chaque truc, donc il faut 8 morceaux. Oui. Dans chaque truc. Ouais. Et maman elle va faire le petit. Ouais. Alors on les met 2 dans. Ouh là là, Océane. Alors non, dans le tien, toi. Ouais, donc on essaye de les mettre un peu à l'intérieur. Ah, ça colle. Ah bah oui, ça colle. Voilà. Je pense que moi, dans le petit bonhomme, il n'y en aura que 3, parce qu'il est tout petit. Allez, moi je t'aide, Océane. On dirait de la raclette. Donc, on les met bien à l'intérieur, comme ça. Vas-y. On enfonce. Allez, et on les enfonce. Ouh, bien. Il y en a un qui a bien été enfoncé. Hop. Voilà. Ah oh, bah non, Océane. Voilà. Ah. Et voilà, donc ouais, on continue. Ça déborde. Voilà ce que ça donne. Ça déborde, moi. Ça déborde un peu. Non, c'est pas grave. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, loulou? Bah quoi? Bah non, il faut en mettre 8 par truc. Pas 2 dans chaque. Ouais. Bon, bah c'est pas grave. Mets 2. Mets encore 2 là, et puis on fera 6 dans chaque du coup. Corentin, il a pas tout compris. Donc 1, 2. 1. Voilà. Donc on va en mettre 8 petits morceaux dans chaque petit moule. Ah, ça colle. Alors les petits amis, voilà. Donc on n'a pas tout mis. Nous sommes en train de finir les autres et Corentin aussi. On en a pas mis quelques-uns parce que nous, comme nous avons des moules, comme vous voyez, assez spéciaux. C'est pas tout rentré. Mais bon, si vous avez des moules normaux, on va dire, peut-être ça rentrera. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va les mettre au four pendant 20 minutes. Ouais, 20 minutes. À combien de degrés? 180 degrés. Donc, on a préchauffé le four à 180 degrés. On va les enfourner pendant 20 minutes. Et voilà, les amis. Alors, vous vous demandez pourquoi Corentin a disparu? Parce qu'on a eu un petit problème. Alors regardez, on a sorti du four, je vous explique. On a sorti du four les muffins, mais comme je vous ai dit, mes moules, ils n'étaient pas top. Donc on a dû les refaire et les voici, les nouveaux, ils sont tout beaux. Donc quand on a dû les refaire, et bien Corentin, entre-temps, avait d'autres choses à faire. Bon, on a laissé le moelleux. Voilà, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc prenez bien des moules à muffins ou des moules avec des formes assez faciles à enlever parce que celui-là il est trop dur à enlever. Ouais, il est trop dur à enlever. Alors on goûte quand même. Oh bah Océane, tu goûtes? Tu me dis si c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et moi tu me fais goûter? Non. Alors ah bah tiens. Moi j'en ai goûté un. Vous voyez, regardez comme ils sont moelleux. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons, les amis. Alors voilà, Océane se régale. Alors, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ne tombe pas, hein. C'est déjà la fin de cette vidéo, les petits amis. Alors dites-nous si ça vous a plu, si vous avez déjà fait des muffins. Pourquoi pas nous donner des recettes originales, parce que on est un peu à court d'idées des fois. Donc c'est sympa quand on nous donne un peu des idées de recettes. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre un petit... vers le haut. Un petit pouce vers le haut. Je vais dire pouce vers le bas. Oh, pouce vers le bas, tu crois? Très haut. Très haut. Et si c'est pas déjà fait? Dans le ciel. Dans le ciel. Wow. Et si c'est pas déjà fait? Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous. Je fais bisous. Mouah. Ciao, les amis. Tout solide et femme.